Il y a tellement de choses à dire. Il est vrai que cette journée est une grande journée pour nous. Pour nous, c'est l'accomplissement de ce qu'on a toujours voulu. Très ravi aujourd'hui, cette journée
notre fille nous a honorés. Je vous souhaite de votre patience. Vraiment, nous la souhaitons un très bon heureux mariage. Que les mariages durent longtemps et puis je souhaite à ma fille bien de bonnes choses, bonne chance, longévité, succès, bénédiction, donc qu'elle soit une femme soumise, une femme, on dit la femme sage bâtit sa maison, qu'elle soit une femme sage, qu'elle aime bien son mari, qu'elle aime ses enfants dans les chemins de Dieu. Vraiment, on a vraiment une grande joie. J'ai béni Dieu pour cette journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes vraiment tous heureux, heureux, heureux. Et je souhaite un bon mariage à ma fille. Patience et papa pour que Lumbunga. Bonne chance et bonne fête. Bon, je suis très contente pour ma tante, vu que la plus jeune, avant, je suis très contente pour elle, que Dieu la bénisse et qu'il la protège et qu'il veille sur son foyer et tout. Nous, on est là pour faire le show, on est là pour elle, on est là pour elle, voilà. Voilà, faut danser pour notre tata, nous on est contente, c'est son jour et tout ça, tout ça. Voilà, on va laisser ça. Petite patience, moi je te souhaite de bonnes choses, que le bon Dieu soit avec vous. C'est une très belle joie, on partage ça ensemble avec la famille qui vient de partout. Mm-hmm. Franchement, ce genre de choses, ce genre de jours, il faut vraiment profiter à fond. Mm-hmm. Parce que déjà, une très grande bénédiction là. Quand on est vraiment réunis là, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc j'aimerais bien qu'on soit tous et toutes contentes pour notre tante-chine, qu'on la souhaite le meilleur du monde. Que le bon Dieu donne encore une longue vie pour bien prendre soin de nos enfants. Maman, mon amour, mon chéri, mon cœur, tu es tout pour moi. Les moments difficiles, on a partagé ensemble et on continuera toujours à partager ensemble. Je suis sûre qu'il y aura aussi des bons moments. Et les moments de Dieu, il va faire de grandes choses pour nous. Il va ouvrir des portes, des miracles, je sais. Donc, vraiment, j'ai des larmes aux yeux pour toi, mon amour. Je t'aime. Alléluia.
Nous sommes dans la joie. Amen. Amen. Dans la joie
pour ce jour significatif pour notre bien-aimé Coco et notre sœur Patience. Vraiment, nous serons brefs. Voilà, Seigneur, nous voulons partager ta parole quelques minutes parce que la Bible dit dans les livres des Hébreux, exhortez-vous réciproquement car le jour approche. Cher Saint-Esprit, parle-moi en première et parle à ton peuple présent. Nous chassons tout esprit qui peut nous distraire au moment de ces cérémonies, loin de nous au nom de Jésus. Que l'esprit de paix soit avec nous. Dans le précieux nom et suprême nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous lisons Matthieu 17. Six jours après, à partir du premier verset, six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre prenait la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parole du Seigneur. Et on dirait vos affaires. Amen. L'affaire en anglais ou bien. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu parle, nous devons être contents parce que Dieu bénit au travers de sa parole. Amen. Ici, nous sommes en train de constater que Jésus était déjà, son heure était arrivée pour monter à la Golgotha et pour mourir pour nous. Alors comme son heure était déjà arrivée, Jésus priait beaucoup. Il a prié cette fois-ci, il a prié Pierre, Jacques et Jean. La Bible dit, ils ont monté à la montagne. Jésus a commencé à prier, à prier. Il a laissé les trois disciples dans la vallée. Et là, la Bible dit, du coup, Jésus, il était transfiguré. Il était transformé. Et quand il était transfiguré, la Bible dit, il y a eu l'apparition de Moïse et d'Élie. Et la Bible dit, là où les trois disciples, ils étaient, Pierre, il a vu tous ces scènes. Et Pierre prenait la parole. Après avoir Moïse et Élie, ils ont retourné. Pierre, il a pris la parole. Il a dit, Jésus, nous n'allons plus descendre. Nous allons rester ici. Et moi, je dresserai trois tentes. Je parle de la classification dans les mariages. Donnez-moi un bon amen. Si tu voulais aider ton mariage, il faut comprendre aujourd'hui. Revoir les classements. Je crois bien que ça sera le mariage des bien-aimés chrétiens. Je te donne cette bénédiction. Je prêcherai les hommes à ne pas épouser et les femmes à ne pas épouser. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Directement, j'appelle Pasteur Samy qui vient d'Irlande pour continuer la cérémonie du mariage pour bénir les couples. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire une bonne offrande d'acclamation à celui qui est digne? Je dis acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison? Alléluia. C'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux, je disais. Et je sais que, bien aimé, Dieu est d'accord avec nous. Amen. Amen. Le couple va s'asseoir juste pour un moment avant que je ne puisse commencer la cérémonie. J'aimerais juste remercier les pasteurs et surtout, bien aimé, encourager
l'homme de Dieu par rapport au message, c'est que le Saint-Esprit nous a parlé. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Et nous voyons, bien-aimés, dans la parole de Dieu, je vais juste faire deux lectures. Dans Genèse chapitre 2, verset 22 jusqu'à 24, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu, j'ai dit Genèse chapitre 2, verset 22 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ici, nous voyons que c'est Dieu qui est à l'origine du mariage. C'est Dieu qui est l'instigateur du mariage. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas la volonté d'un homme ou d'une personne, mais c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, bien-aimés, c'est un moment solennel que nous sommes en train d'assister. Et c'est un moment merveilleux. Est-ce que nous pouvons faire une bonne offrande d'acclamation à Dieu pour les couples? Je dis, prions Dieu pour les couples, bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Parce qu'ils ont compris. Amen. Ils ont répondu. Ils ont accompli la volonté du Créateur. L'homme de Dieu vient par l'Esprit de Dieu de parler, de mettre de l'ordre, de savoir classer les choses. Alléluia. Amen. Et ils ont compris qu'il faut mettre Dieu en premier dans leur mariage. Voilà pourquoi nous qui sommes là, nous devons bien aimer, non seulement les encourager, non seulement les féliciter, mais aussi prendre cela à cœur, que nous devons mettre de l'ordre dans nos mariages. Amen. Alléluia. Le mariage, c'est la première des institutions de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Et le mariage, c'est solennel. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. L'homme et la femme peuvent venir ensemble et du coup, par leur propre volonté, ils se décident de faire leur volonté. Alléluia. Amen. D'abord, c'est la volonté de Dieu. Je dis, d'abord, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà ce que Coco, notre frère bien-aimé, et Patience, notre fille bien-aimée, viennent d'accomplir. Je suis l'homme le plus heureux. Alléluia. Parce que je me tiens ici en double qualité. En qualité non seulement de l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu que Dieu a fait, mais aussi en position, en qualité du père de la mariée. Amen. Alléluia. C'est ma fille. Je suis émotionné. Les larmes coulent aux yeux. Alléluia. Je l'ai vu venir dans le monde. Et aujourd'hui, je la vois, maman. Alléluia. C'est vraiment une joie immense. Et donc, je disais, bien-aimé, je n'ai pas un cadeau spécial à vous donner. Vous m'avez, non seulement vous avez honoré Dieu, mais vous avez honoré les parents que nous sommes. C'est très fort. Il n'y a pas de mots. Mais les conseils, j'aimerais tirer de la Bible. Alléluia. Parce que je sais que nos paroles s'envolent, mais la parole de Dieu reste éternellement. Et je la retrouve dans Éphésiens chapitre 5. Et c'est ma prière pour vous qu'il y ait de l'ordre dans votre mariage. Qu'il y ait la paix dans votre mariage. Qu'il y ait le bonheur dans votre mariage. Qui est bien aimé, la bénédiction au-delà de tout entendement dans votre mariage. Éphésiens nous dit ceci au chapitre 5. Et c'est de la part du Seigneur. Je lis, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur.
Et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Voilà le mystère, bien-aimés. Après, vous verrez, l'apôtre continue, dit, c'est le mystère de l'Église. Amen. Le mystère qui s'est fait ici, c'est au-delà de l'imagination, au-delà des pensées. Alléluia. C'est Dieu qui nous recommande, par rapport au mariage, de connaître, de savoir notre responsabilité. Ah, mon bien-aimé Coco, Dieu t'encourage d'aimer ta femme, d'aimer celle qui est os de tes os, chair de ta chair. Dieu, quand il créait toutes les choses, il savait qu'il te manquait quelque chose. Amen. Et il avait gardé quelque part. Et aujourd'hui, tu as retrouvé ce qui te manquait, ce que Dieu avait réservé pour toi. À ma fille bien-aimée, chérie, la patience, j'aimerais tout simplement t'encourager. D'après la parole de Dieu, tu dois respecter ton mari. C'est ce que la Bible me dit. Amen. Respecter ton mari. L'honorer en toutes choses. Amen. Nous allons nous lever et le couple va s'élever. Nous voulons entrer dans le moment solennel. C'est un moment solennel, bien-aimé, où nous voulons passer à la bénédiction. Le mariage, c'est la famille d'abord. Alléluia. Et c'est Dieu qui bénit le mariage et qui bénit le marié. Aujourd'hui, nous sommes ici devant le couple et nous savons qu'ils ne viennent pas du néant, mais ils sortent de quelque part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi avant toutes les choses, nous aimerions poser la question. S'il y a la famille du marié qui s'élève, qui se manifeste ou bien qui montre juste leurs mains, la famille du marié est là. Ah, je vois des mains levées. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la famille du marié? Notre bien-aimé Coco. Alléluia. Est-ce que la famille du marié est dans la joie aujourd'hui? Témoin, alléluia. Église, vous êtes témoin, alléluia. De même, la famille, nous allons demander à la famille de la mariée de se manifester pour que nous puissions vraiment confirmer que les deux sont déjà au niveau de la famille en ordre. Alléluia. Est-ce qu'il y a la famille de la mariée, la sœur Patience? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la famille de la mariée? Vous voyez les mains levées. Amen. Nous aimerions poser une question au niveau des familles, de deux familles. Y a-t-il quelque chose qui empêche ou qui ne permet pas pour que nous puissions bénir le couple ce soir? S'il y a quelqu'un ou bien il y a quelque chose,
vous avez le moment de vous manifester. Sinon, d'après la parole, les recommandations divines, vous devez vous abstenir de ne plus jamais, alors plus jamais, intervenir dans le mauvais sens dans les couples. Parce que Dieu a dit, vous devez vous taire à jamais. Alléluia. Y a-t-il quelque chose? Personne. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, on va, avec l'accord et l'agrément des deux familles réunies, c'est un moment solennel, s'il vous plaît. Si on peut être vraiment attentif à ce qui se passe, parce que c'est le moment solennel, et on va nous aider. Juste, le protocole peut pousser un peu les tables, les deux tables, oui. Voilà. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon chouchou. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. D'amour, y'a cocoré. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Avec la permission des deux familles, nous avons la permission, l'autorisation de bénir ce couple merveilleux. Aujourd'hui, c'est un moment merveilleux. Nous allons demander les anneaux pour prier. Ceci, c'est vraiment un symbole puissant et fort parce que c'est le symbole d'alliance. L'alliance qui représente le sacrifice de Christ sur la croix pour son épouse qui est l'Église. Voilà les symboliques de l'alliance. Aujourd'hui, les deux deviennent une seule chair et prennent l'engagement ensemble d'entrer dans cette alliance de Christ avec son Église. Alléluia. Cela veut dire, mon frère, vous avez la responsabilité d'honorer, comme la Bible le dit dans Hébreux chapitre 13, au verset 4, honorer le mariage. Et ma soeur, ma fille, vous êtes appelée à honorer Dieu dans ce mariage. Nous allons prier pour les anneaux et permettre à ce qu'ils puissent faire leurs vœux et prononcer chacun leurs paroles vis-à-vis l'un vis-à-vis de l'autre. Nous allons prier, Église, nous fermons nos yeux, nous prions pour ces anneaux, symbole d'alliance. Est-ce que tu peux prier, élever ta voix, et Dieu de gloire qui voit ce moment, soit en accord avec nous. Le Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, le Créateur de toutes choses du ciel et de la terre, toi qui as dit, oh Dieu, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Voici le moment, oh Dieu, que Coco, notre bien-aimé, tu le connais avant qu'il ne vienne dans ce monde, a pris l'engagement solennel, notre bien-aimé, patience. Oh bien-aimé, ta fille, Dieu de gloire, a pris l'engagement solennel. Père, ils sont venus devant toi pour t'honorer ce soir. Devant ton église, oh Dieu, nous te présentons ces anneaux, symboliques de l'alliance de Dieu. Seigneur, scelle ce mariage par le sang de ton Fils et Jésus. Scelle, ô Dieu de gloire, sur la terre notre amour. Et ce couple est béni. Et le ciel, ô Dieu, ton Dieu, ô 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 Dieu,
Voilà, bien-aimés, le moment arrivé. Nous voulons demander au marié de prendre son anneau et va prononcer des paroles qui viennent de son cœur. Nous savons que c'est un couple qui est béni parce que Dieu les a déjà bénis. Alléluia. Amen. Mais maintenant qu'ils ont mis Dieu en premier, ils ont encore provoqué le ciel. Amen. Pour que tout ce que Dieu avait prévu sera bon dans leur vie. Amen. Alors bien-aimé Coco, tu vas prendre ton anneau, l'anneau de ta femme, pour la mettre. Et puis, en prononçant. Voilà. Comme ça, vous allez prononcer les paroles que vous avez dans votre cœur. Le micro. Vous savez, on n'a pas besoin de passer dans des... Peut-être nous sommes habitués à poser la question, veux-tu prendre comme mari, veux-tu prendre? Alléluia. Nous n'avons pas besoin de le faire. Yes. Alléluia. Parce que ils ont la bénédiction déjà, Dieu les avait bénis. Amen. Ils sont déjà dans le mariage, mais ils sont venus pour que Dieu le bénisse. Est-ce que nous sommes là? Voilà pourquoi nous voulons accorder la parole au marié et en mettant cet anneau, il va prononcer tout ce qui vient dans son cœur. Vous avez la permission. Vas-y. Je suis tellement émotionné. Ainsi, ce qui me vient à cœur, c'est le fait que aujourd'hui, ça nous fait 10 ans depuis notre rencontre. Dix ans de vie commune. 10 ans de haut et de bas. Au-delà de tout cela, 10 ans d'amour. Mais que je t'ai vu ce jour-là, j'ai tout de suite su que tu allais être mienne. Cette patience. J'ai dû attendre le bon moment. Et ainsi, les choses se sont faites. Et je bénis le bon Dieu pour cela. Il y a des choses qui m'ont tellement marqué en toi. Particulièrement pendant le moment le plus dur, tu as toujours été là pour moi. J'ai toujours su compter sur toi. Ton amour a toujours été indéfectible. Dans ces moments durs, parfois je me posais tant de questions. Je me disais que le fait que tu tenais encore à être là avec moi n'était que le résultat d'un amour pur et sincère. Cela n'était qu'une destinée divine. Et cette rencontre a été réellement une rencontre divine.
tu as su me ramener sur le droit chemin. J'étais un homme instable, émotionnellement parlant. Mais je t'avais fait la promesse de ne plus être cet homme-là. Amen. Et depuis lors, tu n'as cessé de marcher sur ses pas pour honorer la promesse que je t'avais faite. Mon cœur est rempli de joie. Notre rêve était que nous puissions un jour nous marier. Cela s'est semblé long. Et voilà que ce jour est enfin arrivé. C'était dur. Mais nous nous sommes montrés patients. Jusqu'au moment où le jour J est enfin. J'aimerais que tu saches que mon cœur t'a toujours aimé. Je t'aime encore aujourd'hui. Je t'aimerai toujours. Mon cœur est attaché à toi comme une langue le doit. Alors aujourd'hui, je me sens prêt à entamer encore cette nouvelle étape. Avec joie. Voilà ce que mon cœur avait à dire pour l'instant. Mais mon âme et la gloire, en ton palais, en tous les jours, le masé. J'ai pu te lever dans la maison. Même la menace à la mariée de regarder droit à son époux et de prononcer les paroles qui viennent de son cœur. Alors ma fille, ce soir, devant cet homme qui t'honore et devant l'église et devant Dieu, tu prends cet anneau, symbole d'alliance, pour mettre et donner à ton époux et parler sincèrement ce qui est dans ton cœur. Et dis s'il vous plaît, nous suivons attentivement. Je pars en cœur. Chérie. Mon nom. Le père de mes enfants. Mon mari. Je t'aime. Tu sais que je t'aime beaucoup. Dans les mauvais moments, j'étais là pour toi. Et toi, tu étais là pour moi. Je vais juste te dire que je t'aime. Devant ta famille, devant ma famille, et je t'abandonnerai jamais. Je serai toujours mon mari et le père de mes enfants. Je t'aime, chérie.
avant de vous présenter les mariés, on va juste prier et les mariés vont se tenir la main. Tenez-vous la main. On va prier pour bénir les couples. Avec l'église, s'il vous plaît, on garde le silence et on prie ensemble comme l'église pour le couple qui a honoré Dieu et que Dieu le bénisse et que Dieu le protège et que Dieu le comble de sa grâce et que Dieu solennellement honore ce mariage, ce couple s'est marié. Comme il a dit dans sa parole, que le marié soit honoré de tous. Ainsi nous représentons ce soir devant Dieu et devant le monde le marié et ce mariage. Père éternel, voici le moment solennel où tes enfants ont répondu et ont obéi à ta parole. Seigneur, nous te prions, comme ton église au nom de Jésus, bénis Seigneur ces couples au Père. Bénis Seigneur leur mariage encore davantage, toi qui les as unis et toi qui les avais bénis. Ce soir, solennellement devant l'église, ils t'ont honoré. Seigneur, tu as dit, j'honore ceux qui m'honorent. Honore, Seigneur, ces couples. Honore, Dieu de gloire, dans tous les domaines et dimensions. Spirituellement, moralement, matériellement, dans tous les aspects d'air. À partir d'aujourd'hui, que leur vie change. Que leur situation change. Que leur niveau change. Père, là où tu ne pas auparavant, mais maintenant, avec Seigneur Christ, ils peuvent tout. Ils arriveront là où ils ne pouvaient pas arriver. Ils auront ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils toucheront ce que même ils ne pouvaient pas toucher. Au nom de Jésus, à cause de toi, oh Yahweh. Bénis-les. Comble-les, Seigneur, et le fruit de leurs entrailles. Comble-les, Seigneur, et le produit de leurs mains. Au nom de Jésus, ils sont bénis. Nous les bénissons comme ton église. Nous déclarons toutes les bénédictions du ciel, de la terre, dans leur vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Devant les hommes, nous vous présentons solennellement le marié et le couple béni de Dieu. Alors nous pouvons ensemble venir les féliciter avant. Hein? Oui, les bisous d'abord. Allez, bon. Voilà. Alléluia. Alors, ils vont d'abord s'embrasser devant l'église. Un signe d'amour. Amen. Nous voulons vous donner ces cadeaux. Ces mots, bien-aimés,
quelques soucis, vous allez vous appuyer et vous référer à cette parole de Dieu qui va vous soutenir et qui va vous donner la victoire à tous égards. Voici au nom de l'Église les cadeaux que nous avons reçus. Thank you.
papa na lola ya ku mama zamene lia yo tena la foto ku mama na ya papa na lola ya ku mama zamene lia yo tena la foto ku mama papa na lola ya ku mama zamene lia yo tena la foto ku mama Don't believe it.
Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Gloire à l'Éternel. Thank you.
Je vous passerai le micro pour dire un petit mot à ce jeune couple, on va vous appeler comme ça, parce que c'est dans ce soir. Ah, voilà la marraine. Ah, ça qui me dit. Ah, mon marraine. Oh, vous me fuyez comme ça, ma marraine. Je vous donne le micro pour un petit mot à ce couple. On attend pas. Merci à tous. La marraine a dit bonne continuation, des bonnes choses et merci à tous. Je me dirige aussi de l'autre côté de la salle pour aussi prendre l'atmosphère de ce côté. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je vais passer le micro aussi à des jeunes gens en bleu. Voilà. Un petit mot. Je voudrais dire félicitations et toutes les bonnes choses du monde. Bonsoir, je crois que le couple est arrivé. Alors, vaut mieux tard que jamais. Je peux leur souhaiter du bonheur. Et puis surtout, longévité au couple. Oui, tout à fait. Voilà, donc, on est bien présents et je pense que la fête elle sera totale. Exactement. Merci beaucoup, honorable. Est-ce qu'on peut l'applaudir? On peut l'encourager. Merci beaucoup. Un bon speaker, un peu vraiment. À qui j'ai pris des bonnes habitudes. Alors nous continuons notre soirée, je vais prendre encore 2-3 tables, parce que les mariés sont déjà là, nous allons les accueillir pour passer à autre chose. Et je souhaite bienvenue à tonton Omar, au témoin maman Mago. Bonsoir. Je passe le micro à papa ou à maman pour un petit sourire. Félicitations de Marie pour tout ce qui sont venus déjà. C'est une honneur pour cette famille. Merci beaucoup. Alors on va garder cette atmosphère pendant que les mariés sont déjà là. Ils sont en train de faire les dernières vérifs à la fin et nous allons bien entendu les accueillir avec une très grande chaleur. Pendant qu'ils sont en train de s'arranger, DJ peut nous remettre à position. Est-ce que vous avez patience? Patience avec moi, roi Yesu. Est-ce que vous avez la famille de patience ici? Est-ce que vous avez patience? C'est que vous êtes à Milo, ça commence à bien pour moi. Est-ce que la famille de Coco par ici? Je t'appelle, est-ce que la famille de Coco par ici? Est-ce qu'il y a des Parisiens? Est-ce qu'il y a des Suisses? Est-ce qu'il y a des. Vous avez dit que c'est un peu pour vous fatiguer. Est-ce qu'on peut faire une mousse, s'il vous plaît? Allons-y, là-bas, pour la famille. Nous sommes là pour accueillir les mariés. Je demande si vous faites avec tout un respect que vous voulez. Nous sommes là pour vous dans le nom des mariés qui ont invité, qui ont préparé toute cette salle. Pour que nous soyons leurs invités dans l'heure. Alors, est-ce que
pour nous avoir le choix, nous avons la table de la maison. Est-ce que pour nous avoir le choix, s'il vous plaît? Baba Maye! Baba Maye! N'est-ce que vous avez Baba Maye? Baba Maye! 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 Alors, si vous êtes prêts à dire, s'il vous plaît, ce soir, en votre honneur, je cite, le marié et la mariée, la belle charmante lumineuse, alors mirobolante, j'appelle Patience, accompagnée du prince charmant, qu'on pense que nous applaudissons, s'il vous plaît.
Je ne sais pas. Mais elle, elle est la fille de Papa Bolano. Et aujourd'hui, elle nous a fait l'honneur de prendre comme époux Monsieur Congo Ligonga. Est-ce qu'on peut applaudir ce charmant couple, s'il vous plaît? Et une dernière question avant que la Tikabino. Tonton Coco, est-ce que tu peux prouver à ceux qui n'étaient pas là dans la salle aujourd'hui que elle, c'est vraiment ton épouse? Oui, évidemment, maman, patience. Le bisou. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Pendant qu'ils rejoignent leur place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, DJ, merci beaucoup. Alors, c'est un couple chrétien. Nous allons commencer notre cérémonie, certes. Mais nous voulons d'abord ouvrir par la prière. Est-ce que je peux demander à l'auditoire de se lever, s'il vous plaît? Est-ce que l'auditoire peut se lever pour la prière, s'il vous plaît? Est-ce que de côté, les mapons à Limondeli, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière, s'il vous plaît? Pendant que j'appelle l'homme de Dieu au bas pour la prière. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever pour la prière? J'appelle l'homme de Dieu pour la prière d'ouverture. Merci beaucoup. Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. C'est par ta volonté, Seigneur, tu nous as réunis ce soir. Et par ta puissance, Seigneur, nous t'invitons comme tu étais dans la fête de Cana. Seigneur, sois au milieu de nous dans la noce de Cana. Seigneur, il y a eu le vin qui se manquait. Mais par ta puissance, Seigneur, tu as fait des miracles. Seigneur, il y a eu le vin qui était dans la noce de Cana. Ce que nous allons manger, tout ce que nous allons faire, soit rempli de ta grâce et de ta puissance. Bénis cette soirée dans ta main puissante. Nous avons ainsi prié car tu es Dieu qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous continuons notre soirée. Vous savez que nous avons eu un léger retard. Au nom des mariés, nous vous présentons nos très sincères excuses. La soirée continue. Nous allons commencer par le buffet. Alors, je le reprécise encore, ceux qui travaillent avec... Thank you.
Et à tout ce qu'il a offert, à tout ce qu'il a offert, à la caméra, merci.
merci. Le flash des téléphones, ma flash, s'il vous plaît. Le flash des téléphones, s'il vous plaît. Est-ce que la personne a l'air de mourir,
Yeah, but I don't think.
Chaussette Weston, Lunette Weston, toujours. Miami, c'est l'homme qui comprenait mon négociation.
Bana salomola yigini bose la binoti bose la. Eru kuba ndundu kumbulano Yesu kumutima wenene. Eru kubari kumbulano Yesu kumutima wenene. Kumwila Yesu wenzana. Yesu kwa mwenene. Betu kena ninga ya bia ya kumila zana. Merci. Benu kata na balumiku na mastati na mapiki niki. Ebe ta pisa zame fe. Anu kwa zila pe. Kula kwa tukandu. Nous continuons les photos, s'il vous plaît. Toujours, bien ça, on le vit.
Katamakidou. Ibise. Katamakidou. Oh yeah, yeah.
le sens des autres. Les amis d'enfance, les cocos. Rigini Salombo. On est là ce soir. On avance, on avance, on avance. Mesdames et messieurs, Solo Lumière ce soir est assuré par Seven Planner. Oh yes, oh yes. Cadeau pour Mélo. C'est le moment. À qui les prochains? Ma vie, ma rose. Madame. Marassala, voilà. On avance. Merci, on avance, on avance. Yeah.
Boki Zaza, Ali Boki Zaza, toujours bon conseil. Thank you.
les mains. Je suis le meilleur, on va dans la voie, sans la joie,
Lokele, ebala lokele, ebala lokele, iya
Et vous casse spéciale à Florie, à Missy, Florie. On est là ce soir, hein. Didja Zol est là. Belle ingénieur Pico. Vous allez sentir minoté, Banabakala. La famille des cocos. Maya Salili, Ayoki Yo. Parce que ça s'allie.
ben, 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 ben. Thank you.
Hello, Star Music. Let's go. Tobita, Tobita, con Tobita, oh!
se réunit. Merci.
nous allons accueillir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, un tonnerre d'applaudissements, la mariée de ce soir. Et impatience. S'il vous plaît, disait. Et encore. Nous on pousse à la tête. Mathieu la plateau, nous on se prépare, s'il vous plaît. Merci. Let me think about this.
Yeah.
Cérémonie à gâteau, c'est parmi les cérémonies les plus intimes. Une cérémonie. Voilà. Est-ce qu'on va marier Bako Bozala juste devant au centre? Voilà. Merci, accompagné de la marraine. Voilà. Merci. Parmi les cérémonies les plus intimes, à Saint-Paul et à Boulogne, désormais, ayez patience, ayez beaucoup. C'est que ces deux personnes ne font désormais qu'un seul individu, une seule personne. Est-ce que vous pouvez savoir où on a les couteaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a les couteaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a les couteaux, s'il vous plaît?
C'est mes planètes vertes. Sono lumière. C'est du professionnalisme, fait d'artifice. Sono lumière. Panneau d'exécution. Invitation spéciale. C'est mes planètes vertes. Christian Moulala. Yeah.
Nous avons programmé une programmation
Kabbalah. Bonjour, hein? Aïe, aïe, aïe! Oh, yeah.
Mika Katano Bango Bato Simi Beko Passe Pelissi Zambé. Amen. Amen. Papa, coco, félicitations. Et maman, félicitations encore. Amen. C'est pourquoi, maman, je voulais te donner un bon conseil. Je sais que tu es soumise, mais pour cet acte encore, ajoute encore la soumission. Amen. Amen. Il y a peu de gens, peu de gens. Comme ce soit ça, là, c'est ça, continuer, mais pas là, tu vois les beaux faces, maman. Mais. Seigneur, je prie encore, je sais que tu as déjà abondamment béni tes enfants. Seigneur, rajoute encore la bénédiction. Je déclare que le Dieu de la Bible vous donne la bénédiction de persévérance, la bénédiction de supporter l'un ou l'autre. Que Dieu vous accorde la bénédiction de patience. La bénédiction, même l'onction de vaincre les tentations, les combats, les emboutements qui viennent, qui surgissent dans la vie des couples. Au nom de Jésus-Christ. Et je demande encore, alléluia, à mon Dieu qui est l'auteur des de mariages, alléluia, puisse vous accorder la bénédiction de l'argent. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Que Dieu vous accorde au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde, alléluia, l'onction de la sagesse, de l'intelligence, de la maturité. Pour, alléluia, prendre soin, alléluia, de vos enfants. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ce qui vous manque, que Dieu vous comble vos manquements. Là où l'ennemi parfois, alléluia, avait fermé, que le Dieu de la Bible ouvre cette porte-là. Et que l'onction de protection divine qui protège les mariages puisse protéger vos mariages contre les attaques, les vents de l'ennemi qui attaque souvent les mariages. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Je prie, alléluia, alléluia. Papa, pourquoi je te donne l'onction d'aimer, alléluia, ta femme, comme la Bible recommande. Et je prie pour toi, patience, alléluia, que Dieu t'accorde l'onction, alléluia, de la soumission vis-à-vis de ton mari. Que tu sois une femme vertueuse, au nom puissant de Jésus. Et que la paix qui surpasse toute intelligence humaine soit le partage de votre vie. Et que Dieu rayonne vos couples. Que les regards favorables de Dieu soient dans vos couples. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le nom de Dieu. Papa, pourquoi t'as un mot? Shalom, Église. Shalom. Bon, bande, bande, vous pouvez vous asseoir. Premièrement, j'aimerais rendre grâce à Dieu. Amen. Pour avoir permis que ce mariage puisse avoir lieu. C'était comme je l'avais dit, c'était un rêve pour nous, c'était un désir. Et finalement, malgré le vœu de bas, Dieu a fini par concrétiser cela. Amen. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Au-delà de tout cela, je tiens aussi à remercier tous les membres de l'Église qui se sont mobilisés pour la réussite de ce mariage. Amen. Amen. La présence de tout un chacun, l'apport de tout un chacun, que ce soit au niveau spirituel, à tous les niveaux. Je vous remercie infiniment de tout mon cœur. Amen. Et cela a été seulement, a été pour nous non seulement un acte de fraternité, mais cela a été un acte d'amour, un acte qui a fait preuve d'une haute considération vis-à-vis de nous. Amen.
Et nous vous remercions infiniment pour cela. Amen. Donc nous sommes vraiment une famille et ça, je l'ai vu. Nous l'avions vu. Donc les gens en ont témoigné jusqu'en ce moment, si les gens continuent à nous en parler. Les gens continuent à parler encore de la mobilisation, de la présence, de la façon dont le monde de la cité de vainqueur était vraiment actif. Amen. Et on a été vraiment un bel exemple. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse continuer ainsi. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Encore merci à tout le monde. Maman, t'as un mot à adresser à l'église? Oui, moi aussi j'ai un mot à adresser à l'église. Amen. Bon, c'est pareil, c'est que par rapport à ce que je viens de dire, moi aussi je vais dire merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Non, ça vient vraiment au fond de mon cœur, je vous dis merci parce que j'ai reçu des appels et tout. Vraiment, moi j'étais tellement contente. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, tout le monde était dans la joie. Donc pour moi aussi, ça m'a vraiment marqué. Pour ça, j'allais dire merci à tous les papas, tous les mamans, tous les enfants aussi, même si vous n'étiez pas là. Mais j'ai vu vraiment, vraiment l'amour que moi, je ne m'y attendais pas à ça. Je sais que j'ai... D'autres fois, je vis à un papa, mais il m'a dit, maman, on a pris ça là-bas, toi, on a pris ça dans son salon. Mais oui, je savais, mais je ne savais pas que ça devait passer comme c'était passé les samedis là. Comment c'était du waouh, c'était vraiment. Wow. Tout le monde était dans la joie. Il y avait l'ambiance totale jusqu'au matin. Vraiment, je vous dis merci, ça vient vraiment au fond de mon cœur. Je le dis, je le dirai moi aussi. J'étais un peu de ci, un peu. Il y a quelques personnes ici, mais je disais, je voulais changer, je peux être comme j'étais avant. Mais là, devant l'église, devant tout le monde, vraiment, à moins que si je ne me sens pas bien, mais s'il y a un souci, un problème à l'église, moi, je serai là pour tout le monde. Yes. Je m'amène pour tout le monde. Et mon cœur est là pour tout le monde. Merci, l'église. Merci, maman. Merci, maman. Papa m'a dit. Merci. Acclamons Jésus. Pendant qu'ils vont regagner leur place, nous acclamons. Dieu acclame que pour eux. Protégez vos mariages. Amen. Agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli, moi, mon thème. Nangaï. Allons dans les lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant, c'est à moi de te chanter. Si a taba se quita la ndenge tozo singama tozo singama yo a taba fingi tala ndenge na zo singama yo wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, natike lionie.